Hey, 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 cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode de House Flipper. On va pas tergiverser, je vous propose pas du thé, non, toujours dans ma maison très colorée, plein de violet et tout ça avec des rimes. Et nous allons continuer, voilà, et nous allons acheter une nouvelle maisonnée. Oh là là, mon dieu! Et ben voilà, bah écoutez, on va passer de la maison violette à la maison rose. À 120 913 euros, une occasion unique, l'étoile de la Seine Bonibi vend sa prodigieuse maison à un prix très avantageux. Ah là là, ah, mais il y a un garage en plus. Oh my god. Ah, c'est affreux quand même. Hein. Ah ouais. Non, quand même, je suis pas très très... Oh, bon, voilà, on va l'acheter. Mais elle va pas rester rose, hein. Je pense pas. Par dose de couleur, elle va être toute blanche à la fin. Non, elle va pas être toute blanche, mais... Oh, elle a l'air énorme. Alors, nous avons l'allée de garage. Nous avons retrouvé notre liste d'acheteurs, pardon, habituelle. Hein. La maison rose, Pink Paradise. Aïe, 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 et il y a de quoi faire. Oh là 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 là. Oh, j'ai hâte. Bon, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être sale, en fait. Ah, c'est trop bizarre, parce que si c'est pas sale... Oh ouais, non, mais c'est quand même pas très joli. Est-ce qu'on a cette couleur-là de peinture? Bon, Pink Paradise, nous voilà. Mm-hmm. Ah, d'accord, déjà, il y a ça. J'ai cru que c'était les cafards, mais non. C'est juste que le radiateur, il est cassé. Voilà, ça c'est fait. Pardon, excusez-moi. Bon, je dis pas qu'il va rester là, mais au moins il est enlevé. Alors, voilà, le Pink Paradise. Oh, ya, 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 ya. Les rayures. Ah non, non, non. Mais ouais, cette espèce de rose comme ça. Ah, on a la cuisine comme ça? Sérieusement? Moi, j'ai pas l'impression, hein. Le mini salon, je trouve beaucoup trop petit. Ah, c'est... Ça me crispe un peu. Oh, mais on peut mettre des trucs là dehors du coup? Ah non, ils peuvent pas bouger? Non mais c'est... Ah non, c'est soit je les garde, soit je les vends. Je peux pas les bouger. Ah la tristesse, donc ça va rester rose comme ça dehors. Bah parce que je pense pas que je puisse mettre moi des trucs. Hein. On va essayer tout de suite. Ah bah c'est bizarre parce que... Non, je peux pas mettre de trucs, moi. Bon, alors, ça change, parce que pour une fois, on n'a pas une maison à refaire, à tout ranger, machin. C'est pas crasseux, il n'y a pas de cafard. C'est un peu bizarre, du coup, si j'avais su, je me serais prise à l'avance pour pouvoir entamer la maison. Mais bon, on va tout vendre, tout casser, ça revient au même. Mais bon, là, c'est quoi? Une salle de bain? Alors par contre, ça c'est sûr, ce carrelage, on l'a pas. Pareil, là, je vais réparer tout de suite le truc. Parce que c'est juste parce que le bruit va me stresser. Mais ce carrelage rose, je l'ai pas. Hein. En plus, il y en a deux teintes. Wouah ! Mais c'est quoi ces miroirs-là ? Ah ouais, il y a plein de trucs qu'on n'a pas, en fait. Mais c'est frustrant, parce que moi, j'aimerais bien avoir tout ça chez moi. Même le toilette avec de la moquette, quoi. Enfin, chez moi, je veux dire, dans le jeu. Ils ont rajouté ça. C'est... Waouh ! Non, quand même, quoi. Quand même. Au secours. Au secours, le Pink Paradise, quoi. Du coup, ok, le rez-de-chaussée, il est petit, je trouve. Hein. Mais on a un garage. Le garage, je pense que je vais le... Le garage, il est rose avec une voiture rose. Ah, il est violet aussi. Attention. Non, mais ouais, je vais récupérer le garage, moi. Comme j'ai déjà fait plusieurs fois. Hein. Je sais pas, je vais faire, au lieu de faire un garage, je vais faire un cellier. Et puis là, je vais récupérer une pièce parce que c'est trop petit, hein, je trouve, en bas, moi. Bon. Ah, il y a les vitres à faire! Oh, ben voilà, il y a au moins un truc qu'on pourra faire qui va ravir pas mal de personnes. Mais il n'y a pas trop de choses à faire. Est-ce qu'il faut faire celle-là aussi? Oui, ah ben, il y a toutes les vitres à faire. Voilà. On va monter. C'est la première fois qu'il y a un escalier en hauteur, hein, parce qu'on a toujours eu des caves ou des bunkers, mais là, premier escalier. Hii bon, le
Oh, mais ça, on l'a pas non plus. Mais moi, ça me rend triste. Il y a plein de trucs que j'ai pas. Bon, c'est pas forcément beau, hein, mais. Voilà, quoi. Donc, je veux dire, le palier est pas mal. Par contre, vous avez un petit problème ici, au sweeper. Vous n'avez pas comblé le trou. Hein. Si vous avez un bébé, eh ben, il passe dans le trou. Remarquez, ça peut être sympa. Hein. Ça fait trampoline, ça fait une jolie chute. Et puis, à Vidéogag, on gagne les 10 000 euros. Hein. Ou 10 000 francs, je sais plus. Enfin, bref. Il doit y avoir, du coup, deux chambres. On va voir ça. Ah, mais c'est. Ah, mais c'est Rikiki! C'est un petit dressing! Ok, d'accord. Ah, mais c'est limite décevant en fait. Et ça, c'est The Chambre. Ah, c'est petit. Elle est quand même petite cette maison. Il y a un étage, mais elle est petite, hein. Ok, bon, bah, c'est pas joli, hein. C'est. Non. Vraiment pas du tout à mon goût. Et là, la fenêtre n'est pas nettoyée. Bon, bah, écoutez. On va faire. On va. Oui. On va commencer par en bas, quand même. On va commencer par en bas et on va tout jeter, tout vendre. Parce que ça y est, là, on n'a pas ce tapis en rose. Je pense pas qu'on ait le canapé en rose. On n'a pas la table comme ça en rose. Ils ont vraiment fait une maison typiquement avec des trucs qu'on n'a pas, quoi. Ah, est-ce que c'est choquant? Vous voyez, là, on n'a pas le rose qui va au-dessus. Parce que moi, je fais toujours au-dessus quand je fais des bandes, mais c'est bizarre quand même leur truc. Hein. En plus, c'est pas symétrique, je sais pas. Ils n'ont pas fait un truc correct. Bref, allez, on y va. On vend tout, vend tout. Adieu les exclusivités. Hop. Cette maison n'aura plus rien à voir bientôt. Pas de salon du tout! Pas mal ce cadre. Eh ben voyons, j'ai besoin d'une télé et les enceintes. C'est tout de suite mieux quand il y a des plantes dans la maison. Oui. Mais moi je vends tout. Mais regardez, même ça, moi, il n'y a pas. Ouais, je vends tout parce que sinon il y en a dans les viewers, ils vont pas être contents que je vende tout, que je vende pas tout et que je récupère des trucs. Mais il y a des trucs que franchement on l'a pas dans le mode achat donc. J'adore les fleurs. Il y a pas de cuisine séparée. J'ai besoin de place pour ranger mes magazines scientifiques dans la maison. Je veux avoir de la place pour ranger des livres et des documents. Hop! On vend tout, 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 tout. Adieu. Le temple du rose, quoi. Non, 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 non. Alors, le rose, je suis pas contre, hein. C'est pas une couleur que je n'apprécie pas. Mais là, quand même. Oh! Attention, 7 ans de malheur! Bon, j'en suis plus à 7, moi je suis à pas mal d'années de malheur, mais bon. Ah, par contre, les petits trucs. Ok, tac, tac. Tac, tac. Une seule salle de bain? Quoi? Il te manque une case ou quoi? Une maison sans salle de bain? Ils nous en font au moins deux. Oui, bah, on verra s'il y a de la place parce que la maison est quand même petite. On dirait pas, mais je vous ai dit, je vais récupérer le petit garage. Je vais rajouter de la place parce que sinon vous allez voir, je vais tout casser. C'est marrant ce que. Ah merde! J'ai supprimé, c'est-à-dire ça tombe sur le meuble et j'ai plus qu'à supprimer au-dessus, mais en fait non. Ça me fait rire. Touk. Par contre, je sais pas comment ils ont fait pour mettre en hauteur, parce que à moins de prendre un échafaudage, parce que moi honnêtement, j'y arrive pas. Hein. Hop! Ah, il y a ça aussi là-bas. Mais c'est quand même assez affreux. Hein. Et moi je vends tout, même les installations. Ouais, je vends tout, tout, tout. Oh là là, cette salle d'eau, quoi! Oh! Ouf. Donc, nous allons. Bah, de toute façon, ça va rester, hein. De toute façon, je peux pas toucher quand c'est extérieur, donc. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne aussi pour les Sims, il y en a qui ne le font pas, donc c'est pas un souci. J'ai lancé un petit défi House Flipper. House Flipper Sims. Où, en fait, j'ai refait à peu près, hein. C'est dû à peu près. Une maison de House Flipper avec le jeu de base des Sims. Et je mets au défi mes abonnés à refaire la maison tout en jeu de base sans toucher. Bah, en fait, comme dans House Flipper, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas toucher les murs extérieurs, les gros murs, là, comme vous voyez ici, là, le gros mur contre juste comme vous voyez sur la minimap là-haut. Ils ne peuvent pas toucher, mais alors tout l'intérieur, ils peuvent casser. Et j'ai fait le défi de faire un. En jeu de base, parce que comme ça, c'est plus rigolo, il y a moins de choix, et puis tout le monde, dès que vous avez les jeux des Sims, vous avez les jeux de base, et donc, voilà. Je me suis dit, vu que dans House Flipper, c'est assez restreint aussi au niveau bah, des meubles, et
Eh bien, on fait la même pour les Sims. Donc je vais lancer ça. Enfin, pour l'instant, la vidéo n'est pas encore sortie, donc je sais pas si les gens sont contents du défi ou pas. Donc on verra bien. Je tourne ça dimanche avant que la vidéo sorte. Donc bah, tous ceux qui ont vu la vidéo, et bah coucou. Ceux qui ne regardent pas, et bah désolé, je vous embête avec mes histoires. Aïe aïe aïe. Et je me suis fait peut-être du pognon, j'aurais dû regarder combien j'avais avant de vendre toutes les saletés. Par contre, je sais pas qui était cette personne qui vivait encore avec ses peluches. Après, je sais qu'il y avait des gens adultes responsables qui vivent encore avec leurs peluches, tout ça. Moi, je. Les seules peluches que j'ai, qui étaient les miennes et encore, je suis en train de me dire non, c'est des peluches que j'ai achetées pour des souvenirs ou des conneries comme ça. C'est des jouets pour mes chats maintenant. Donc, est-ce qu'on peut vendre l'escalier? Non. Bon! Allez, on va nettoyer la vitre! Je sais que vous aimez ça. Ah, mais je suis quand même un petit peu déçue pour la maison qui est un peu petite. Je pense que je vais quand même faire deux chambres là-haut. Enfin, je sais pas. Peut-être que je ferai la salle d'eau en haut, en fait. Au lieu de la faire en bas. Genre, un toilette en bas, mais la salle d'eau en haut. Genre, la douche, la baignoire. Je sais pas. Je vais dire plein d'idées comme ça. Je vais faire la chambre en bas et le salon en haut. Ça, je vous confuse un petit peu, hein. Je ne connais pas encore mon plan de bataille. Hop. Ah oui, celle-là, j'ai pas à la nettoyer. Allez, on casse tout ici. On casse tout ici. Est-ce que je fais des bruits bizarres? Je peux même casser par-dessus le... Vers l'escalier? Mais ils sont fous, ces Romains. En fait, je suis sûre que je vais devoir le refaire, hein. Parce qu'il y a ça, je peux pas mettre de mur par-dessus. Ouais. Ouais. Bon, il y a de fortes chances que ce mur-là... À moins que je fasse un type loft, en fait, qu'on monte ici. Et que ce soit directement... Je sais pas du tout. En même temps, je peux même pas mettre de barrière. Donc si je mets un truc au bord... Oh là là, je sais pas. Je vais casser. Histoire de faire vraiment un raz-de-marée table rase de la maison. Mais je vous assure pas que ce mur va pas revenir, quoi. Je pense qu'ils auraient dû le coder en indestructible, mais bon, il y a des choses à faire. Mais on peut pas faire de barrière, donc c'est un peu chiant. On peut faire type loft, ouais. Allez, pour le plaisir, un petit peu. Oh oui, tombe-moi dessus, oui, ah oui. Oh oui, c'est bon ça, oui. Oh là là. Oh oui. Tombe-moi dessus. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah. Voilà, ça c'était pour les gens qui ont du second degré. Et pour les autres, bah, je suis désolée. Mais moi je suis très 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 second degré. D'ailleurs, j'ai testé, ça y est, je peux faire des streams, des lives. Avec la connexion de mon téléphone. Donc je me dis que pour House Flipper, je pourrais faire un live avec le Garden qui sort en fait. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un live le jour où de la sortie de Garden, comme ça au lieu de vous faire une vidéo, on se fait un petit live avec, bah, avec l'émission qu'il y aura sûrement de Garden, donc le 16 mai je pense. Si j'ai encore des gigas d'ici là. Je pense, hein, on n'est pas non plus très très loin. Mais je trouve que ça pourrait être cool. Comme ça, on découvre ensemble le jeu et puis... Moi, je pense que ça pourrait être très très sympa. Je peux enfin faire des lives, quoi, grâce à la connexion téléphone. Et ça, c'est trop bien, c'est trop la vie. Parce que j'ai tellement une connexion de merde et même si la fibre s'est installée dans mon immeuble, j'ai pas l'impression que je puisse l'avoir avant un moment. Je sais pas trop comment ça fonctionne, selon ce qu'on lit sur Internet ou pas. Oh, donc je sais pas, apparemment c'est en mois de juin que je pourrais l'avoir. Donc c'est bien, c'est que ça se rapproche, hein, mais j'en ai marre quoi, moi je veux faire des lives pour parler avec mes abonnés un petit peu et tout. Voilà. Ah, il y a un truc là encore. Et encore un truc là. Quelle maison bien propre! Alors regardez, voilà, l'étage, ce que ça donne. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de barrière là. Est-ce qu'on peut tomber? Oui. Ah, d'accord. Vous voyez que c'est un peu tendu. C'est-à-dire... Oh là, je me perds avec cette souris. C'est-à-dire que si je fais un truc sans mur,
Et genre, je vous fais, ah, alors regardez ici, pouf, bah, je retombe en bas, quoi. Mais bon, à l'étage, il y a 46 mètres carrés. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ma souris a du mal. Bon, on va casser le reste. Ah, ça va être sympa, je pense, faire un petit live sur House Flipper. Ça commence à venir un peu sur YouTube. Il y a d'autres personnes qui en ont déjà fait. Il y a une communauté, de toute façon, House Flipper. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui me regardez. Vous êtes abonnés juste parce que je fais du House Flipper. Mais n'hésitez pas, hein, s'il y a des jeux que vous aimez bien, que vous me conseillez. Alors après, moi, je suis pas forcément très forte à certains jeux. Hein. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a Assassin's Creed Unity qui est gratuit, en fait. Oui, non, il était gratuit, je crois, jusqu'à la fin avril, et je l'ai pris. C'est un jeu auquel j'ai jamais joué. En fait, il a été rendu gratuit parce que il traite l'histoire dans Paris, dans la France, en fait, dans les années 1700. Et c'est un honneur à Notre-Dame qui a un petit peu cramé. Et en gros, voilà, ils l'ont fait gratuit, donc je l'ai pris. C'est pas un jeu auquel je joue du tout, mais j'ai essayé. Alors c'est très très beau, c'est magnifique. Mais alors qu'est-ce que je suis nulle? Oh, la vache, déjà, il m'a fallu un bout de temps pour savoir comment faire déplacer mon bonhomme. Bon, il y a les touches WASD là, WASD. Enfin non, ça c'est les touches anglaises, je crois. Il y a le Z pour avancer, le S pour reculer. Enfin bref, j'ai quand même réussi un peu, mais alors genre. Il fallait s'échapper, je sais pas quoi, grimper dans un truc. C'est vraiment le tout premier truc. J'ai mis je sais pas combien de temps à comprendre comment il pouvait sauter. Je comprenais pas. Je me suis dit, mais alors si c'est comme dans Fortnite, il saute comme ça. Mais en fait, dans ce jeu, non. Et en fait, non, si, parce qu'il faut faire une combinaison de machin, de trucs. C'est beaucoup trop compliqué pour moi, vous voyez. J'ai fait non, mais alors là, ça risque d'être chaud, quoi. C'est très beau, mais ouais, je suis assez nulle. Donc, ce genre de jeu. Je veux bien faire des vidéos là-dessus, mais je suis très nulle. Alors, j'en ferai pas sur ma chaîne parce que je suis vraiment très très nulle à chier. Et que c'est vraiment un truc que je découvre. Mais ici, il se peut qu'il y ait des jeux. Je sais pas, moi, un peu. Alors, je préfère les jeux de gestion, les jeux de stratégie. C'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Alors, il y a le jeu de Two Point Hospital, là. Ou Two Theme Hospital, je sais pas quoi. J'aurais bien voulu prendre, mais il est à 20 boules et. Pour l'instant, je garde les sous que je récupère sur Utip bah pour le Garden et pour les Sims. Donc, si vous n'oubliez pas d'ailleurs d'aller regarder des petites pubs, vous pouvez y aller tous les jours, hein. Tous les jours, il y a des pubs et il y a plein de pubs des fois. Il n'y a pas forcément qu'une seule pub, donc n'hésitez pas à y aller. Bon alors, bah, il veut pas me tomber dessus, cet enfoiré. Vas-y, t'aimes-moi dessus, j'aime ça. Ah oui! Une douche au caillou. Ah oui! Faut bien rigoler de temps en temps quand même. Alors que là, voilà, au Sweeper comme jeu, c'est très chill, hein, c'est vraiment tranquille. Hein. Ça demande pas d'avoir du skill particulier à part du bon goût. Et rien que ça, déjà, tout le monde n'a pas cette compétence. Ça, j'en vois pas mal, des fois dans les Sims qui font des constructions. Je dis pas que je suis la meilleure, hein, mais. Enfin, je vais te dire. Je suis pas forcément la meilleure en construction, mais au niveau du goût, je pense que j'ai quand même des meilleurs goûts que certains. Donc voilà. Ah bah on a tout cassé! 92 mètres carrés de garage. C'est pas mal. C'est clairement pas mal. Là on a de la place. Là je peux faire une maison avec un grand salon, tout ça, tout ça. Ok, celui-là il veut pas. Tac. Les interrupteurs c'est le même, hein. Bon, c'est pas grave, faudrait que je le vire. Je sais pas comment je le virerais, mais je le virerais. Peut-être qu'il faut que je le prenne comme ça. Oui, c'est ça. Des fois, faut les supprimer, les vendre, on sait pas. Mais je crois que c'est tout. C'est tout. J'ai pas oublié les fenêtres. Hein. Mais. Voilà. Ah non, mais quand même, ça va faire une grande maison. Je vois bien, je vois bien. Je commence à me dire comment je vais organiser ça. Comment je vais faire. Allez, on va faire les fenêtres. Et après, je vous libérerai pour ce Pink Paradise. La maison rose. La maison ultra rose. Vous connaissez l'ultraviolet? Ben elle, c'est l'ultra rose. Ah, puis ça fait gagner de la place, là, de foutre en l'air le garage. C'est juste dommage, c'est qu'on peut pas. On peut pas transformer les fenêtres, en fait.
Par exemple. Celui-là, enfin voilà, j'aurais mis une grande fenêtre, genre une baie vitrée, on devrait en fait. Baie vitrée pas comme celle qui coulisse, mais juste qui s'ouvre pas en fait. Ça ferait trop bien. Mais bon, le jeu a ses limites. Ouais, je pense que ça pourrait être cool de faire un petit live sur House Flipper Garden. Oui. Ça permettra aussi aux autres abonnés Sims de connaître le jeu. C'est pas plus mal. Hop là. Le petit plaisir des fenêtres. Ça va, je galère moins avec le temps, je trouve. C'est. Vous pouvez moins vous foutre de moi. Peut-être qu'il y en a qui vont être tristes, mais ça passe. Ça passe bien, regardez. Hop là. Oh, j'essaye pas de faire un truc propre, genre je passe en zigzag parfait là. Non. Allez, la prochaine, j'essaye de faire un zigzag parfait. Il reste encore deux, donc ça devrait aller. Alors, on va commencer. Hop. Ah bah, je me suis déjà laté. Hop. Oh. Ah bah il m'a quand même pris, il y avait un petit bout là-haut qui était pas pris. On va recommencer sur celui-là. On va essayer de faire vraiment le truc perfecto. Bon, déjà ça a mal commencé. Non, j'y arrive mieux quand je fais n'importe quoi. Oh là là. Ouh là 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 là. Non, il va pas me le compter. Là, ouais. Finalement, je suis meilleure en faisant nawak. Bah mais voilà. La maison est débarrassée. Elle est comme neuve, elle est toujours assez rose, je suis d'accord. Pour ce qui est de l'extérieur, on n'a pas été vraiment été voir, mais ça, du coup, ce qui est malheureux, mais je vais peut-être le laisser. Hein. Je verrai bien, parce que je vais la repeindre, hein. Je vais pas la laisser rose, hein, faut pas déconner. Et si ça jure trop, bah, je changerai. Ah, elle est cute! Mais j'aime bien, en fait. Peut-être que je ferai cette maison-là en défi abonné prochainement, qui sait. Si le premier opus défi abonné au Flipper plaît à mes abonnés, j'en referai peut-être. Mais elle est très conne, c'est. Attendez. Cette fenêtre-là, il faut la nettoyer alors qu'elle n'est pas accessible. Ah, vous l'aviez pas vue, hein? Attendez. Je vais voir à acheter un. Parce qu'en fait, on peut acheter des. Ça, là, des échafaudages. Juste pour nettoyer une putain de fenêtre. Mais en fait, je serais obligée parce que vu que je vais la repeindre, au moins j'ai un truc assez grand. Ah oui, non, mais là, par contre, je suis peut-être un peu haute. La fenêtre est celle de l'autre côté. Youhouhou! Bah oui. Mais tu crois que je vais mettre comment, gars? Je vais rentrer. Je vais monter comment à l'intérieur? Ah non? Attendez. Bah non, je peux pas. Parce que je vais tomber dans le vide là. Ah, si! Oh, bah dis donc, c'est que je voulais vraiment la nettoyer celle-ci. Hein. Bon, c'est pas grave, l'échafaudage, il servira quand même. Enfin, il est peut-être un peu grand, mais il servira. Voilà, je vais aller voir s'il va vraiment servir. Oui, parce que là, ils avaient fait un petit. D'accord. Okay. Oui, bah il servira peut-être un peu quand même, hein. Ils ont fait ça exprès pour pas que ce soit, par exemple, que d'ici je puisse peindre l'étage, vous voyez. Ce serait peut-être un peu gros. Bon, bah écoutez, c'est parti pour la maison du mauvais goût, hein. Moi, bah, du coup, je vais me prendre la tête pour savoir comment redécorer cette maison. Je vous embrasse tous très fort. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour la découverte de la maison rose refaite, qui sera plus rose du coup. N'hésitez pas donc à laisser un petit com, à vous abonner, à liker et puis à partager peut-être la vidéo. Et puis n'oubliez pas d'aller regarder des petites pubs sur YouTube qui est dans la description. Et également me dire si vous êtes open pour un petit live de DLC Garden très bientôt. Allez, des bisous, ciao!